nous paraissait vraiment important d'en avertir tout le monde, de faire une action de solidarité en disant encerclons l'hôpital des enfants pour protéger l'hôpital des enfants des mesures d'économie et de la réforme aussi du paysage hospitalier que la ministre veut faire à l'emporte-pièce de manière très rapide sans avoir rien mis en place. Et aujourd'hui, vraiment, la santé et même la santé des enfants est vraiment en danger. Des économies qui sont estimées à ce jour à 15 millions, ce qui veut dire moins de soins pour les patients, des soins sans doute de moindre qualité, et puis des questions qui se posent en termes d'emploi et de charges de travail pour le personnel. Les soins de santé, c'est pour tout le monde, on en a besoin. S'il n'y a plus d'infirmières, s'il casse les budgets et qu'on ne sait plus engager du personnel, parce que pour l'instant, toutes les personnes qui sont pensionnées ne sont plus remplacées. Il manque un personnel accru dans toutes les unités, que ce soit l'hôpital des enfants et n'importe où. On ne saura plus soigner les patients, dans le public surtout.